J'ai parcouru les crêtes et les vallons à la recherche du félin. Cela fait maintenant des années que je le piste et je commence tout juste à comprendre la vie d'un des animaux les plus discrets d'Europe. Au fil des saisons, j'ai appris à reconnaître chaque individu par ses traces, sa voix, ses taches ou son caractère. Je repense à ces avant-gardistes qui, en relâchant des lynx, ont su recréer un équilibre entre proie et prédateur pour que toute la forêt en profite.